l'IMEP, je pense, ça se caractérise surtout par une approche vraiment sérieuse du métier de la musique et tout ce que ça peut comporter, un professionnalisme qu'on essaie de transmettre aux élèves. Déjà, l'IMEP, c'est un programme de 5 ans. Il y a une rigueur de travail, il y a un rythme de travail. Ce qui nous différencie peut-être d'autres écoles, c'est effectivement le cadre qu'on donne dans nos études. C'est le lien qu'il y a d'une année à une autre, le côté complet du cursus, aussi bien on demande des aptitudes en écriture, en composition, en arrangement et en performance instrumentale. Donc on s'efforce de faire des personnes qui ont un profil assez complet, le plus complet possible pour répondre aux exigences du monde d'aujourd'hui. I hope that the students, number one, learn how to work, learn how to really concentrate and work, and that there's an opening onto how to continue to learn and pursue whatever direction or directions they want to in music. I hope that it opens. Les élèves de l'IMEP, c'est des gens qui sont au lycée, qui ont des rêves de faire carrière dans la musique, en tout cas de se donner toutes les chances de pouvoir le faire, qui ont des basses sur l'instrument, qui jouent peut-être depuis un certain temps dans les groupes, et qui finalement ne savent pas quoi faire pour augmenter leurs compétences. Je pense que ce sont surtout des élèves qui ont un intérêt vraiment sérieux en musique, qui prennent la musique comme une chose importante dans leur vie. We see students that have had a lot of experience. They've done conservatories. Sometimes they even have degrees, or they've had a lot of private lessons. And sometimes students that have had very little experience. I think the most important thing is motivation, and that they work. That's the most important thing. And then we can take them the rest of the way, but they have to really understand that it's full-time and it's a lot of work. Ils cherchent aussi au niveau instrumental à être guidés pour sortir un petit peu de tout ce qu'ils avaient pu pratiquer dans leur milieu. Donc chercher une voie pour progresser et se professionnaliser, du moins essayer de se professionnaliser le plus possible pour garantir toutes leurs chances de succès. In first year, second year, and then eventually in fifth year, I have people that are just out of their baccalauréat, so 18, no? I have people that have done already one degree, and some people that have done degrees and worked professionally, had careers, and then decided they wanted to seriously study music. So I have people from 18 to 35, and very varied, very varied. Alors pour rentrer à l'IMEP, il faut avoir, je dirais, un minimum de 3 ans de pratique instrumentale, 5 ans dans l'idéal, avoir quelques notions de théorie musicale, de solfège, un peu d'oreille, et aussi, je ne vais pas dire, et surtout, avoir un projet d'avenir, avoir envie d'apprendre, avoir un projet pédagogique avec une cohérence sur plusieurs années. So that's what's good about it. It's a very welcoming environment. You could come in not knowing anything, or you could come in having some prior experience and find places. Des passionnés de jazz, c'est vrai, mais c'est pas la majorité. Beaucoup viennent aussi du rock, de tout un tas de musique actuelle, on va dire, sur un sens large. Mais il y a quelque chose qui les relie tous et qui sentent chez nous quand on arrive chez nous. Ils aiment la musique. Ils veulent, ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de se cultiver, ils ont soif d'acquérir des compétences, ils ont envie de travailler. Ils viennent nous voir avec cette demande. Ils ne savent pas exactement comment ça va se présenter. Ils ne savent pas ce que c'est toujours que d'étudier la musique. Mais ils viennent avec cette demande, avec cette passion qui est en eux, et qu'ils ont envie d'une manière ou d'une autre de concrétiser. Et ceux qui viennent chez nous, ils sentent ce qu'on peut potentiellement leur apporter. Harmony and sight singing
And writing is taught is very jazz oriented, but it's also the same same strictness as in a classical school. I don't see a difference. I mean, I see things done exactly as I did them in conservatory, and I think that it's quite rigorous, the training. So if you want, it's jazz-based, and the repertory classes are very jazz-based, but it's not so exclusively jazz-based. It's really, let's say that a lot of the jazz is used as a porthole just into music, per se. On a quand même une volonté d'éclectisme dans notre formation, de donner des outils pour que chacun puisse s'épanouir dans des registres de style assez larges. Des musiciens enseignants qui ont eu des parcours différents en musique professionnelle, et on essaie de mettre toutes nos connaissances dans ce sens-là, dans un package à transmettre aux élèves. C'est un échange, on est entre passionnés. Les élèves, ils ont soif d'apprendre, et nous, on est heureux de partager ce qu'on sait. C'est du bonheur. It's always a lot of work to do well, and it's important that the students are serious too, and then you have a good circulation of energy and ideas. Another thing that sounds kind of corny, but when I'm teaching, I'm actually learning things, which is good. So it's not just me reading out of a book, and there's actually interplay, and it makes me feel vital. Le réseau, ça commence déjà ici à l'IMEP, hein. C'est-à-dire déjà 5 ans à passer, à partager avec d'autres étudiants, les ateliers, les auditions, les orchestres, etc. On crée des liens obligatoirement. Il y a des projets qui naissent dans l'école. Tous les ans, il y a des projets qui naissent. Le fait que c'est plus petit fait que c'est intimate. Donc, il y a plus de sentiment personnel. Et je pense que c'est important parce que ça me permet d'avoir plus de temps pour be more specific with students, and I think they also feel that the attention I'm giving them is something genuine. So for me, what I like about it is that this fact of this feeling of it being kind of a family, and I like this intimate feeling, the certainly a camaraderie amongst the teachers, which is important, and then the fact that there's not so many students that it starts to feel impersonal. Mettre un diplôme sur la table, ça veut dire qu'on a commencé quelque chose et qu'on a terminé quelque chose. Ça veut dire aussi que, indépendamment de toutes les compétences qu'on a acquises, on a aussi une persévérance, une volonté, une discipline personnelle qui a permis à un projet de commencer, de se poursuivre et finalement d'aboutir. Et c'est aussi ça qu'on présente devant les gens qui vont voir ce diplôme, c'est ça. A diploma in itself is a piece of paper. The important thing is what did you do to earn it, and what did you learn, what tools did you develop that let you get the diploma that afterwards you can apply to other things. That's what it is. Sortir,
c'est une vraie compétence instrumentale, une capacité d'avoir un comportement, une attitude professionnelle dans les situations qu'il demande, et d'avoir une crédibilité sur l'instrument pour pouvoir faire face à ce qu'on va lui demander. Donc un savoir-faire, un savoir-être, avoir des compétences en... Évidemment, les compétences techniques sur l'instrument, des compétences en déchiffrage, en composition, en harmonie, en arrangement. En fait, pas uniquement instrumentiste, mais musicien. Un musicien, ça joue d'un instrument, ça peut écrire la musique, ça peut donner des conférences, des masterclass, ça peut rentrer dans l'édition musicale, ça peut faire des productions. Évidemment, ça peut tourner sur scène, ça fait des compositions. Il y a énormément de métiers de la musique. Donc après, ça peut partir selon les aptitudes de chacun, les goûts, les envies. Ça va partir à 180 degrés. Et en fait, personne ne peut savoir ce qui va advenir.